question pour des gens qui connaissent que qui fait payer mal. Il a pris des positions pour des gens qui connaissent qui fait payer mal. Il a défendu les gens. Donc finalement, comme nous, donc son peuple va rendre compte pour la velle, son cafavel. Et nous sommes un grave le matin à tout. Pour moi-même, le co-désir. Moi, des gens, je dis, ok, qui ont fait des commentaires négatifs, sous petit mec mourir. C'est comme si nous avons dit, même je n'ai pas de problème, je n'ai pas de problème pour faire par Michel Martelly. Michel Martelly, son artiste, moi-même, je suis journaliste. Et je fais job moi comme journaliste. Ok? Département d'État, département trésor, sanctionné président Michel Martelly, c'est job moi comme journaliste pour me relayer, pour me demander ça. Ouais, des informations. Faut qu'on ait des informations. Faut qu'on ait plus d'informations. C'est normal. C'est comme ça le toujours. C'est comme ça le doit fait. C'est comme ça. Il est toujours fait. Autant de fois qu'on a plus d'informations, faut qu'on aille chercher plus d'informations. Bon, c'est. Ok, ma petite question. Nous ne sommes pas des hypocrites. C'est nous-mêmes quand on campé que t'as dit, pense à madame Maniga. Intellectuel pays, bon vagabond, hein? Et nous-mêmes qui t'a dit lui. C'est nous-mêmes qui t'a dit, c'est nous-mêmes qui t'a dit, c'est nous qui t'a dit, face à intellectuel pays, madame Maniga, c'est nous-mêmes qui t'a campé pour nous dire que pays n'a pas besoin de monde qui compte lire là-dedans, bon vagabond, hein? C'est nous qui t'a dit la jol nous. Et nous qui t'a dit. Vous avez la peine, d'accord? Vous avez la peine. Michel Martelly prend un bon président, il fait tout ça, tout caca le fait pendant le président le fait. Entourage il fait caca. Eh bien, je veux dire quoi, c'est la paix. Je ne vais pas rentrer dans la politique, Michel Martelly. Mais comme journaliste, il faut payer à connaître. C'est job moi pour m'informer les gens, c'est job moi pour me dire nous, ça va aller. Ok? Mm-hmm. Et si je prends position, le désir, je prends position dans le pays. Et nous connaissons déjà, moi, nous connaissons déjà. Moi, on est qui lâche. Moi, on est comme dans le cap caché en bas de table. Non, nous connaissons très bien. Nous connaissons le désir. Nous connaissons que nous avons plus le courage. Il y a un petit peu là, mais que nous avons venu faire matin débat. Parce que la vie, il faut continuer. Faut continuer à vivre, faut famille continuer à vivre, faut mon gars même mieux continuer à vivre. Et bah bon mal à bon moi. Mais faut continuer. Faut continuer à faire matin débat. Qu'on n'est pas content parce que nous faire matin débat, parce que vous même, faut me tenir dans petit coin, m'a crié, m'a plaigné, bagaille chaque jour, m'a crié pour même si ça me faire. Pour même si vous m'arrêtez dans ce coin, m'a crié, m'a plaigné, et puis des matins, ou même dans la rate au monde vous, et puis c'est ça qui t'a fait plaisir. Il dérange parce que, moi, je viens continuer à faire matin débat. Il dérange parce que, vous t'es souhaité que nous connaissions, après le moment petit lit, pour pas finir faire matin débat encore. Il dérange. C'est ça qui dérange là, oui. Ou même quand parle de Tintin. C'est ça qui dérange. Il dérange parce que, pour même, nous connaissons petit, bon, c'est fini, bah, ça, nous finissons le connaissons net. On a le dérangé parce que, ouais, malgré tout, nous connaissons quand même sur deux pieds. Bon, on peut vous fâcher, moi, il faut fâcher, pirate. Ah. Écoutez, si c'est moi, on va suivre, bon, on fait carré, suivre. Bien, ma tête à toute, petit peu, pas mourir, on va parler de tête sur cadavre, petit peu. Voilà, monsieur, je vais si prendre position dans le pays après nous. Jusqu'à présent, vous avez une ligne qui est une conviction pour changement. Conviction. Écoutez, nous lançons conviction pour changement. Est-ce qu'on est nous avec conviction pour changement?
Est-ce qu'on a conviction pour changement sous table négociation? Est-ce qu'on a conviction pour changement à sous table côté que gâteau à partager? Non. C'est nous-mêmes qui lançons conviction pour changement. Sous problème avec le changement politique, ok? Plutôt garder sous plan conviction pour changement. Parce que conviction pour changement sont plateformes sociopolitiques que nous lançons dans le matin débat. Est-ce qu'on a conviction pour changement en main des mounes? Est-ce qu'on a conviction pour changement? Retenez dans sac par Gadel. Nous là, notre travail. Parce que je dis à nous quoi que le pays a changé avec conviction. Partagez le coup de si savoir, comme c'est un tel c'est le coup, un tel c'est ceci, un tel c'est cela. Le coup de si c'est conviction pour changement. Et bien, quoi que vous gagnez, vous avez dit, contre structure sociopolitique ça. Aïe! Est-ce qu'on nous pressé? Nous pas pressé. Est-ce qu'on nous gourmet pour pouvoir? Nous pas baisser le pouvoir qu'on y a. Est-ce qu'on a conviction pour changement à gourmet pour poste? Nous pas gourmet pour poste. Mes amis, bon petit chance quand même. Non, bon petit chance. Ou même qu'a fait commentaire négatif contre le roi, il y a pas rien ou gain contre le roi. C'est parce qu'on ou en bas en live ou bien ou sur Facebook. Et puis, on nous fait un commentaire et vous suivez. Non, ou pas qu'à faire comme ça. Parce que ou pas moun ça. C'est pas parce qu'on nous fait un commentaire et puis ou même qu'on y a ou suivez commentaire. Ou son follower. Ou pas qu'à follower. Ou pas qu'à suivre un pensée, on moun émettre. Moun nan il faut commentaire et vous même entrer dans la même ligne. Dans la même ligne commentaire. Ou pas qu'à faire comme ça. Faut mettre pensée pas ou. Forcer ou se mettre pensée pas ou. Ok? Bah quoi que je dis, hein, ou même qu'à faire commentaire contre le logo, comme si c'est ouais ou pas le logo. Bah oui. Ou suivant groupe, ou suivant groupe moun, ok? Et puis ou entre dans rien, ou pas un bon soit faire. Mais au fond, on dit à mes amis. Faire preuve de prudence. Bon. Nous, on entend la salle américaine sous page Facebook. Li. Et bon, li note là pour nous. La mission multilatérale d'appui à la sécurité MMAS le 1er août 2024 à la base de la MMAS, le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme a exposé. Tenez bien, oui, monsieur Gallet avec Esaïe. A exposé aux officiers de la mission. Le cadre de conformité qui a pour objectif la prise en compte des droits de l'homme et des principes du droit international humanitaire dans le cadre de la planification, la conduite. Dans le cadre de la planification. Dans le cadre de la planification, dans le. Ok? La conduite. Et l'évaluation des opérations de sécurité. Les officiers ont également été sensibilisés aux normes internationales et aux bonnes pratiques en matière de recours à la force, en particulier dans le cadre de la mission de la MMAS en Haïti. Ça ne comprend pas la musique. Ça nous comprend là, Galette, ça nous comprend là. Pas au moins, non. Je vais me garder là. Je vais me sur page Facebook, ambassade américaine. Sur page Facebook, ambassade américaine. Alors, ça nous comprend là, madame, monsieur. Je vais vous faire Galette, pour que vous entrer dans l'analyse. Ce matin, nous-mêmes, nous laissons analyser que nous analysons. Ok? Je vais vous faire Galette, et puis rapide, pour nous capables rentrer dans l'analyse. On allez. En tout cas, mais entre temps, on dit MMAS, Louko, combien de temps finalement mission ça a selon notre là. MMAS. Oui, c'est MS. Yeah. On est nous-mêmes. Yeah. MMAS. MMAS, ça veut dire que c'est mission multilatérale d'appui à la sécurité. Multilatérale. Yeah. Mission multilatérale d'appui à la sécurité. MMAS.
selon cette note de l'ambassade américaine. Bon, on a les messieurs. Ça va là, ça pour nous moment là. Premier pour nous connaître, c'est que Edgar Lord, mon fils, à l'Ancaricom, lui dit que tout va sous contrôle dans le pays, la sécurité est rétablie. Et que le pays a marché très bien. Et pendant Edgar Lord, mon fils, sorti, pendant Edgar Lord, mon fils, sorti dans le Caricom, côté que lui dit que tout va bien en Haïti, la sécurité est rétablie. Le 31 juillet, qui c'est deuxième note ambassade américaine, je te fais déjà le 8 juillet. Entre le 8 juillet et le 31 juillet, ambassade américaine mettait une alerte pour ressortissants américains pour dire que fait prudence parce que situation pas bonne dans le pays sur le plan sécuritaire. Pendant que Edgar Leblanc sorti dans Caricom, il dit que tout va marcher correct, tout va marcher bien. À ce premier aspect dans la question. La question analyse n'a fait sous deux points ça. Maintenant, sous l'autre point, connaît que l'ambassade américaine est clair dans notre lien que yo bay formation à des officiers de la force multilatérale d'appui à la sécurité MMAS 1er août 2024 dans base militaire. Yo fait mettre dans zone n'importe là. Nous ça dit que monsieur Kenya yo avec l'autre groupe qui l'a yo. Yo ba on formation sur qui ça? Sur droit de l'homme. OK? Yo ba formation. Yo ba formation. OK? Sur la prise en compte des droits de l'homme et des principes du droit international humanitaire. Ça veut dire madame monsieur, sont pas qu'un monde fou net qui l'a oui. Nous sont équipe monde qui vient dans pays là qui pas contre ça ou venir régler. OK? Soit qui moun ki vin dans pays qui pa konn sa va vin régler qui pa konn aucune formation dans question droit de l'homme, donc c'est sur le terrain obligé ba formation pour dire que faut respecter droit de l'homme. Yo pa ka intervenir n'importe qui gens, yo pa ka tirer moun n'importe qui gens, yo pa ka attaquer n'importe qui gens que n'te dit dans émission matin débat. Parce que je dis à madame monsieur, aucun yon qui tire un moun injustement en Haïti, qui moun qui pa pote plainte pour lui? Et ça, il regarde, qui bon nous capoter plein pour lui? Pas oublier qui est Nations Unies. Pas bonne mission. Faut songer Nations Unies, pas de mission porter non qui y a avec Nations Unies pour porter plein de Nations Unies. Et puis pas oublier tout, en d'un contrat Louko, en d'un contrat l'État haïtien, ici ensemble avec l'État kenyan. Il te dit, si on police kenyan, font bagay. Bon, police, pas kenyan seulement. Non. Depuis quelques jours, moun nan pèle renef, y a pris en moué parce que de quelques soirées là, y a pas dormi. Moun y a pas arrivé identifié, zam à la main, a rentré dans des cailles. Et puis au fait, c'est ça qu'on est, qui y a pas fait. Dans pèle renef. Mes amis. Donc, Domine Rameau, police nationale d'Haïti, assure que, parce que pèle renef là, son seul entrée m'goulier, on seul sorti. Donc, assure que, donc, moun pèle renef, de capable de dormir tranquille, bah, eux, ont assistance parce que c'est très important. Nous avons eu la chance de parler avec plusieurs résidents, donc, du quartier pèle renef. Donc, dis nous connais si vous me seulement 4 jours, pour nous avec Pierre Mathieu Latout, Isaïe César, dégagez-vous, faites un message à passer pour nous. Donc, mais nous faites message à passer. En vrai, nous, faut que vous preniez responsabilité, yo. Faut que vous preniez responsabilité, yo. Au moins, yo capable de gérer tête, yo, en bois calément. Au moins, ou bien en muscadet. Oui. On là, soit on oui. Cherche une possibilité pour muscadet moun qui fait ça, ou bien pour oui. Bah, bois calé. Bah, je veux dire, phénomène bois calé oui. Avec phénomène muscadet sur l'autre niveau. On voit que vous êtes capable d'organiser cette parole. Très bien. Et alors, un journaliste et. En suite ligne. À. Alors, oui, journal en ligne. De médias en ligne. Alors, suite à l'intervention de la police, nous rappelons dans Kafourita. Bien matin, oui, gagné et Aville est envahi hôtel qui c'est propriété qui était sous l'obédience et ont évadé de prison qui c'est gros fanfan et Casales Blanco et comme ça monsieur relé de son vrai nom. Maintenant la police t'a pral arriver épinglé plus passé 13 monde et il y a 5 monde qui tombé, parmi eux il y a 2 policiers qui tombé.
on se le rappelle. Et ces deux policiers qui ont grade inspecteur divisionnaire, qui étaient déjà gagné plainte pour lui dans des CPJ comme volet, comme n'est qu'à faire entrer dans la prison en plusieurs et matériel et l'argent et cocaïne et marijuana. Donc monsieur était plainte contre lui et le connaissait. Donc et ça qui vient arriver, c'est que et la police nationale, par le biais de la DCPJ, nous connaissons cette direction centrale de la police judiciaire, t'as travaillé sur dossier, yon journaliste, de un ancien journaliste qui est habité dans la troisième circonscription de Port-au-Prince, et Mbalbaï non-ligne, et donc c'est à partir de non-ligne, et que Yopral est tombé sous non plusieurs autres. Il a été arrêté en mars 2024. En mars 2024. Donc, oui. On se rappelle. Maintenant, qui s'est arrivé dans le cadre de dossier ça, Louko Désir? C'est que la police nationale, eh bien, étape travail sous et poser question et poser question, aller mener venir pour qu'on ait exactement ce qui base que eh bien des journalistes t'a impliqué, t'a implication présumée au dans dossier ça, eh bien yo et abouti à une liste de journalistes et c'est liste ça qui vient là-dedans plusieurs journalistes bien entendu et Louko Désir et nous presse, de médias en ligne surtout. Surtout donc et alors pour un petit temps de main et puis matin et n'a cherché espace et n'a cherché et liste là. Ok, on est sur téléphone en pile bagaille. Bon, parce que révélation ça yo de CPJ Junio à partir de un journaliste de CPJ parfait causé hein, c'est journaliste pareil, monsieur, qui connaît ça avec eux, qui. Voilà. Qui baillot. C'est ça. Arrêté oui. En mars 2024 pour ses liens présumés avec les gangs de Vivre Ensemble, l'ex-journaliste de Radio-Télé Pacifique, Sila Fanor, monsieur révélé qu'il y a d'autres journalistes qui t'a impliqué. DCPJ, mandé pour qu'il y a des mandats d'amener contre journalistes Sayo, dont Menon Yo, qui paraît dans le rapport 29 pages que DCPJ a rédigé par le biais de BAF qui c'est alors et un BAC qui c'est bureau des affaires criminelles au niveau de la DCPJ. Evanson Jourainville, Mathiado Vilmé, Mackenzie Victor, Stanley Jacques, Odaï ainsi connu, Manzi Odaï Panoua, Odaï journaliste de son état, bah connaît Mano ainsi connu parce qu'on a passé tout le nom complet. Mac Machanzin Haïti et Jean Gardi. Tous sont accusés de connexion avec des groupes criminels à Port-au-Prince. Louko Désir. À partir de cette liste émanant de la DCPJ, Direction centrale de la police judiciaire, selon le travail qui fait après l'opération et qui était prêt soldé par la mort de certains et policiers et d'autres criminels notoires que la police a cherché. Nous arrivons pour nous comprendre que le pays ça a grand plus problème la donne. Alors question insécurité, question insécurité, les amis César, et ça que nous avons nous compte, ok, les vintonnés ont institution, l'institutionnalisé, mais c'est clair. C'est clair. D'ailleurs. Et aujourd'hui, la tendance, c'est comme si il presque paraît anodin, comme si son bagage qui presque paraît normal. Ok, les nègres là, son jeune garçon, et puis lui avec 11 âmes. Parce que imaginez, moi-même, je regarde sur TikTok. Attendez, madame, monsieur. Mm-hmm. Alors, si c'était un pays, si c'était l'État, tout bon. Je regarde sur TikTok des jeunes, ok, qui ont fait des vidéos. Mm-hmm. Et puis dans mi-temps vidéo qui a si à vendre l'amour sans jour des jeunes qui ont fait promotion l'amour sans jour des jeunes qui ont fait promotion l'amour sans jour sur TikTok. Ah ouais, ok, yo fait c'est pour views ou même qui a regardé bah là, ok, dans la forme où dit ah. Et son bagage comme si qu'il faut rire, mm-hmm. Parce que les gens font montage vidéo et pour rire. Mais dans le fond, je veux dire, si un pays sérieux,
t'as droit un message clair qui voit à jeune ça pour dire que écoutez ça c'est promotion chef gang là qui a fait correct ça, correct quand on compte ça nous a dit que question insécurité par exemple l'ambassadeur américain je dis à Dennis Jenkins l'éclair sur question hein? Les États-Unis n'ont pas de solution au problème de l'insécurité en Haïti selon l'ambassadeur Dennis Jenkins. Vous avez un article là? Vous avez un ok? Il t'a exprimé dans la conférence de presse hier lundi là, au Cap Haïtien, pendant que le deux passages au Cap Haïtien. Ambassadeur américain, Denis Jenkins. Dans l'avion là, il n'est pas passé à la terre, non? Dans l'avion. Denis Jenkins a fait savoir que la solution au problème de l'insécurité en Haïti est avant tout l'affaire des Haïtiens. Voilà. Et ben les États-Unis. Moi, mais ça. N'ont pas de solution. Les États-Unis n'ont pas de solution toute faite. Merci, Américain. De l'insécurité en Haïti. Yeah. La solution ne vient pas de l'extérieur. Attendez. La solution ne vient pas de l'extérieur, a déclaré le représentant des États-Unis d'Amérique en Haïti. Pour lui, ce sont tous les secteurs de la vie nationale qui doivent développer des stratégies communes pour lutter contre la criminalité grandissante. Merci mon blanc. On ne peut pas complètement éliminer l'insécurité. Que nous toujours nous matin débat. Ah mais tu es sur le balai sur des matins. Et nous tous en débat. Et mes ambassadeurs américains répètent. On ne peut pas complètement éliminer l'insécurité, mais il faut développer un système de résilience face à l'insécurité, a-t-il laissé entendre. Interrogé sur le rapport concret des États-Unis à Haïti dans le combat contre l'insécurité, l'ambassadeur américain Dennis Jenkins a mis en avant les efforts de son pays pour le développement des forces kenyanes en Haïti, soulignant ainsi l'arrivée d'autres troupes pour compléter celles qui sont déjà présentes en Haïti. Alors là, c'est la preuve de ce texte-là. Donc, c'est la société civile qui doit développer un système face à l'insécurité. Ah ben, le système de résilience, n'est pas notre bagage, non? N'est pas notre bagage que Boakale. Ah, merci Lugo. C'est toute stratégie, ambassadeur américain a parlé que faut que c'est haïtien qui vous développer des stratégies communes. Les stratégies communes qu'ils allaient mettre dans tout. Mettez ensemble la police nationale. Mettez ensemble la police nationale. Et puis bâton chocolat. Boakale, c'est pas une institution, c'est population canapé vert là qui était baptisé. Elle a commencé par résultat. C'est Ariel Henry qui vient une proposition pour dire que Boakale est pas bon, faut qu'on sur lui et puis ouais que Mathieu au prend force avec mon droit de l'homme. Avec mon droit de l'homme. Mais si l'ambassadeur américain a demandé que c'est nous même qui haïtiens qui vous développer des stratégies, mais il parle pas avec Boakale. Donc en tout cas, n'a pas gardé pour nous. Je dis merci avant le groupe. Je dis merci à l'ambassadeur américain et Dennis Jenkins. Cap aider haïtiens comprendre, prend conscience que pays a pour eux. Et ça le dit, américain dit que pays a pour les dégager mais gagne dans mon dos. Dégage. Fait face carrière avec vagabondage qui a fait ça. Même les CEO même qui en grande partie qui tes amis qui la cause que les amis débat qui là. Alors il y a en grande partie tout haïtien yo. Qui besoin l'argent, en pile haïtien, qui besoin l'argent, qui n'a commerce zam nan, commerce munitions, américain ouvre votre lit, américain a vendu zam, ou vina chez domaine. C'est soit qui baille, mais c'est pas bon. Donc, m'a dit merci avec l'ambassadeur américain qui montre haïtien l'autre fois, je dis à payer pour le lieu. Il va y avoir l'autre pays de échange, cap courir en grand visa, cap courir à vivre à l'autre côté, à prendre compte, pays ça, c'est là. Mais surtout, Esaïe, surtout, yo fait une action qui exprime ça au dit là. Yo même yo te gon problème insécurité, yo te gen mort. C'est pas haïtien yo passé pour aller prendre mort yo. Bien. Et pas oublier. Ça gagné quelques semaines avant que m'entre en Haïti, m'te font une interview avec Pierre Renel René sous média que le gagnant. Ou même tout, ou t'es fait interview avec Pierre-Renel René. Même t'as dit Pierre-Renel, mon cher, on t'a passé. Il y a des chefs de gang qui infiltraient la presse par le biais de ces jeunes journalistes que vous voyez à l'école de journalistes. Pierre-Renel saisi, Pierre-Renel tombé des nues. On dit Pierre-Renel, est-ce qu'on est ces chefs de gang de la région métropolitaine de Port-au-Prince, ils ont infiltré le secteur de la presse. Ils ont payé l'école journaliste. Ils ont payé faculté pour des jeunes
Pour qui est-ce monte à le travail? Pour chef de gang. Ces journalistes, ils sont formés dans des écoles de journalisme dans le pays. Good. Good. Alors c'est... Et que je dis à l'intérieur, c'est haïtien. Faut qu'il y ait des gens qui vivent dans la tête de l'État pour se passer de domaine qui finance la campagne. Faut qu'il y ait des sénateurs, députés, présidents, ok, pour se passer de domaine qui bouffe dans la campagne. Il va pouvoir marcher dans la course de domaine pour demander l'argent dans le business dans ce domaine. Et tout le temps que fait ça, tout le temps que nous pouvons arriver là, eh bien, ça va se faire absolument marcher sur le coup. Moi-même. Écoutez, le conseil électoral, attendez moi un matin. Pas qu'un conseil électoral pour Saint-Domingue, pas même sur lui. Pas un conseil électoral qui fait en Haïti. Sous 9 membres là. Pour Saint-Domingue, pas 3 à 4 membres là-dedans. Pas un conseil électoral qui fait en Haïti. Pour Saint-Domingue, pas 3 à 4 membres là-dedans. Là-dedans. Bah, au l'argent. Faire monter ce domaine pour influencer les résultats. Ce domaine arrive même fait lobby au niveau de l'OEA sous question élection en Haïti. Ah, depuis à où le point? Nous allons penser que son. Nous allons penser son joueur Timoun Petit qui là. Ah, depuis à où le point? Donc, si l'élection n'a pas été d'attirer maintenant dans tout le monde avec une président. C'est pas comme si on bagaille. Si son vert de l'eau, nous allons entendre. Nous ne pouvons pas face à l'intérêt du pays. Les oligarques, qui ont dit que tel pas président, c'est fini. Ils ont mis l'argent même Washington, ils ont mis l'argent dans l'ONU, ils ont mis l'argent dans l'OEA. Pour l'OEA venir pour dire que le résultat ça, il va prendre. Il va reconnaître le résultat ça. Pour la Nations Unies, quand elle dit le résultat ça, il y a un doute sur le résultat. Il y a Saint-Domingue. Il y a un peu. Dans le pays d'Haïti, nous avons pensé son joueur, son blague. Alors, il y a un peu pour le pays à Konza, pour le peuple à Konza. Et ça fait que, ouais, on est gars à Prébal. On est gars à Prébal. Il est venu président à partir de Pissi Mondana, après le premier mandat de l'Ifinver. Face à Maniga. Ok, face à Maniga. Il y a les groupes électionnels et puis il mettait le peuple là. Ok, face à Oligarchio. Il envahit, il investit puis si Mondana côté, KPA te prend siège. Peuple a monté Mondana, libéré dans puis Mondana, il monte dans le champ motel Mondana, il dormit, il pissé. Il est dans le restaurant Mondana. Il va pisser, il va jamais manger. Le quoi il va pisser. Peuple a pas de pisser. Tout le monde va faire ça, mais maintenant, tout. Où vous connaissez la bataille? Michel Martin, il arrive président, il crase au caille, il boule au caille, il boule au naïve, il boule au prince. Malgré le populaire, malgré le populaire. Donc, s'il va faire ça, il va la président. Parce que force en face là, il est plus fort. Faut montrer force ça en face là que, ou menaçant. Faut qu'on ait capacité pour montrer comme menaçant. Ça dit, bien matin, l'on a grivé dans la condition ça, ou grivé président dans la condition ça, ça va passer. Ah, moi je vais payer écrasé. Payer écrasé. Ça c'est force qui ne peut pas faire ça. L'a toujours comme avant pendant 5 ans mandat là. Ou même qu'on y a, ou toujours à la défensive. Or, ou venez pour voir, ça va passer. Ou pas quitter les nègres à terre, mais pour voir. Non, on va pas quitter les nègres à terre, monsieur. Payer écrasé, monsieur. Ah. Payer écrasé. Nous avons compris que Haïti est un pays qui est facile. Comme si j'ai un compris que Haïti est un pays facile. Ben, on a non. Mal de délégués dans la police avec Mandi. Ok? Maintenant, sous question de sanctions, nous avons des ambassadeurs américains. Hein? Il est clair que. Et je dis à ce n'est pas seulement Bandi à sa patte. Ok? Que États-Unis, donc, a pu traquer. L'a traqué, donc, Bandi a fait sur. Moi, je crois que ça n'a pas été dans la démagogie. Comme États-Unis, je dis à la, a fait Haïti dans de 50 blindés dans le week-end,
Moi d'accord, et moi juive. Parce que États-Unis, c'est États-Unis qui contrôle la police là. Pas aucun directeur général qui a vu un directeur général là, c'est que les Pagayens ont acquaintance politique avec les États-Unis d'Amérique. Ouais. Quel que soit le directeur général. Ouais. Ça veut dire que. Et gagnent tout. Gagnent tout. Vu que Zamio sorti États-Unis. Mm-hmm. Ok? C'est parce que les États-Unis quittent la porte là, ouvrir pour Zam quitter la Kaili pour entrer en Haïti. Donc, quelque part, les États-Unis ont certaines responsabilités dans ce qu'il a comme situation de sécurité dans le pays. Mm-hmm. D'accord avec l'ambassadeur, ok, pas un problème, ok. Nous ne pouvons pas seulement traquer Bandi à Sapatio, ok, Bandi à Versio, donc nous allons marcher sur eux. Mais marcher, que ce soit sur Bandi à Sapat ou Bandi à Vers, faut pas arrêter en démagogie. Faut pas arrêter en démagogie, monsieur l'ambassadeur. Faut que l'action qui suive lui tout. Faut que l'action qui suive lui. Mm-hmm. Parce que écoutez, lorsque vous avez un bandit à sa patte, bandit à et puis ça s'arrête là. Pendant ce temps, vous avez un axe. Je suis sûr que l'autre jour là, ambassadeur, pour nous voir au cap là, qui va aller, qui va nous passer. Par avion passer, par hélicoptère passer. Donc, où va en route là? Donc je dis à fort États-Unis, écoutez, le problème de la sécurité en Haïti, États-Unis qui a résolu ça. Il qui a résolu ça dans moins de 2 mois après maintenant tout. Voyons 100 Marines Haïti, mm-hmm. C'est ça la besoin, cette besoin là. Voyons 100 Marines, voyons 200 Marines et puis le problème de résoudre. Et c'est ça Haïti besoin. Après élection, Yavoel. Après élection. C'est ça Haïti besoin. Maintenant, route Canaan jusqu'à présent, donc c'est bandit qui a peut jouer au Canaan. Mm. En bas, mon Gabriel. C'est même barré là, c'est bandit capturé en bas mon gabrit. Grecier, c'est bandit capturé Grecier. Donc au moins Axayo, faut débloquer. Mm-hmm. Ou qu'on paye là, qu'on business qui ferme. Business plage, bien entendu là tout. Ouais. Pas qu'on plage qui fonctionnel, non, côté des Agadins. Mis à part peut-être petit plage, maison privée, mm-hmm. Mounal la donne. Mais avec un pile et inquiétude. Donc, quand je dis, c'est vrai que nous voulons résoudre le problème, nous voulons résoudre le problème, non? Nous disons que nous avons marché sous bandit à Sapatio, également bandit à Versio, mais il faut nous voir action tout. Il faut nous voir action. Bon, bah, c'est difficile parce que il y a une plus gros bataille qui est en face là, et Santo Domingo. De vous parler de tout, il s'ouvre le problème, mais bagay, Santo Domingo, va quitter. Pour sortir vous, pour salam, mais tout partout, tout le monde c'est Haïti qui est convenu. C'est Domingue Bab qui est venu gérer ça encore, non? Coach. Oui, mais maintenant, tout le monde qui bouille pour ça finit, oui. Ah, bon, d'accord. Fais pas c'est Domingue, c'est Domingue. Goule qui bouille pour faire ça finit dans le pays. Ok, Goule qui bouille pour faire ça finit, faut pas ça finit. D'accord. Afin que ce domaine-là, qu'on l'a qui bouille, pour ça, pas de problème pour nous encore. Oui, ouais. Mais pour ça arriver, il faut que nous ayons des gens, des hommes et des femmes qui sont dans l'État. Ok? Qui connaissent que je dis, heureusement, c'est Peppa Haïtien qui a payé. Mm-hmm. Et je souhaite que Peppa Haïtien, captain de l'émission, ça, ok? Notez ça nous dit matin dans l'émission Matin Débat. Pour nous-mêmes, nous connaissons qui comportement pour nous gagner. Je souhaite que nous comme ça. Pour nous connaître qui comporte le monde pour nous gagner. Parce que c'est le peuple qui est toujours victime. Toujours victime. Et c'est ça là toujours. Ah monsieur. Regardez, c'est qu'on a compris. Nous, les politiciens, donc le peuple c'est la canaille là. Le peuple c'est la canaille. Et nous besoin aujourd'hui qui est d'autorité. Nous avons un pays. Ok? Qui part. À plier sous caprice international. Et maintenant, pas tout. Tu vas aller bâcher me déplacer, non, mais maintenant. Tu vas aller? Il a belle chance. Pour l'absence en seconde, il a bonne chance.
Mais matin, tu vas là-bas, je me déplace, mais mon seconde, non? Même, il y a bon chance. Pour vous, j'aime bien le tu es en visite dans tel pays, ne tête. Alors, après, tu vas le passer, ouais, tout le monde qui est venu donner un pigeon voyage. Vous avez quitté la bonne, mais perdu à M.L.A. Pigeon voyage à gauche, conférence ceci, conférence cela, pays à gauche, pays à droite, tu vas aller, j'aime déplacer. Et pas ne déplacer, déplacer, Ariel Henry, ça passe. Ne déplacer, déplacer, ça passe. C'est un dernier exemple, là, oui. L'IDN. Loukou Désir, et l'IFE midi 30.